ông quỳ cho ông cho nên được đẹp cả mình to cái chấm la can để tệ vị thị sam la ca ông có bòi mình tây rồi ba la ca nên chơi chạy xây vị thị si để bây giờ bùng bùng rồi đọc cho một căn lại bắt đầu khai cam được không một tục sam la ca Số tới lục xạ xây, ta lục cho mùa ấy. Và nhóm cho mùa kêu kinh mùa kì khôn kran kìa chọc từ phó khai được phòng chân năng. Lục cận được ngày khai chân năm ná, lục chăm đại tế. Còn có bàn toàn fly top. Các nội chân nằm ở phần bình quân rồi hốc pram. Bà ổ côn hay tì gà lây cầm nào bà lúc nơi tì gà lây nà? Cũng có ma tuần khai tố. Nhóm nâu khung trang kia, khung trang kia trọng tức phổ. Khẹt không chân năng. Cho lúc nơi phát triển bọn đọc lúc nơi cái lệnh tại đây nâng rưu chàng mệnh. Và nâu cái lệnh đầy là nhìn con nà lên nâu lệnh khu mặt đầy là. Ta lúc bà có một đồ bò thuê ở vấy sắp tháng ngày ní. Và nhóm phư sẻ. Và ở quân hay ở bộ bằng cao đã bắt lúc cho mùa ấy, mà nay bằng cao đã bắt lúc cho mùa ấy. Phục bằng cao vọc nhóm cho mùa kèo hòm đại cho mùa sớm xuân. Và quân bắt lúc cho mùa ấy hay lúc miên côn bằng màn nhé. Và quân cho mùa tham thòm. Những con pi nạ, con đờm, nằm miền và con pi và con muốn làm, nhiều con mua tiền. Ở quân lục Keo Kin tam robot car bạc làm chi sản nạc cá cá bị bực mình thả tam tầm tập hiệp đại lục ai đằng bán lục mình miền cho nhiệt lục hất rồi còn nhiệt buồn chỉ môi nâng chun cho cháu từng pi rub cứ nuôn chia nâng khơi sầm phòn. Nâng bọc cúl đã trở thành tựa dốc chạy đào mà đang ở rộp bởi ní nâng nông rừng xôn xôn bì ní tì. Ta bất mến ai tì? Bất mến nhỏ mến cho bạc phò này mới đáp chọn này. Ngọt. Hãy bài ca rồi đấy, thay lúc bạn sẽ bắt rủi hơi một nâng cho một căn cái này bắt đầu khai cam được nông bật tục sạm nạ ca này, ta bật mềm đại tí. Bật mềm nhóm bạn sẽ bắt rủi. Tổ thần đi dương pháp ẩm phí xích nâng cả nơi dạy cách nông niềm lúc chưa xạ xây, lúc Keo Kin nông niềm lúc chưa xạ xây nâng nông cách tâm nạ ca này tệ vị thí ta sạm nạ ca cho phù mộc ong dùm đại này.
look at part of the set, Kanoka Chalai, the Nunsum Nu, Ruka, Tua, Omnaham Nang, Namu Richaran, like no more that be wrote the people, Little Nine, Setman Tosa Kai Camp, the Chang and Clone Nine, and Pika and Nayaka, look Kayo Kin, Kanong, and Yam look Yasai, look at the Chalai top, the Rotom Nu, and Lai, the Piki, Richard Crum, the Angium Rasu, the Book look, look like the Nu Nadal, no more Jim Light top, but look. ឬការធ្វើអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកដែលនាំឲ្យដាក់វិរុទ្ធភាពលើខ្លួនឯងដូចយើងបានប្រាប់អំពីសិទ្ធិរបស់សាក់សីរួចហើយអមិញមិញនេះហើយក្នុងនាមលោកជាសាក់សីត្រូវតែឆ្លើយតែការណាដែលពិតដែលលោកបានដឹងបានឮបានឃើញបានចងចាំឬធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ជួបប្រទះឬបានធ្វើការសង្កេតដែលផ្ទាល់នៅព្រឹត្តិហេតុឬហេតុការណ៍ទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសំណួរដែលភាគីឬចៅក្រមនៃអង្គជំរះសួរចំពោះលោកលោកកែវគិនតើលោកធ្លាប់ផ្ដល់ សក្កិកម្មឬក៏ផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយនឹងអ្នកស៊ើបអង្កេតនៃការយឡៃសហគមន៍គេដែរឬទេក្នុងរយៈពេលកន្លងមកហើយប៉ះសិនបើធ្វើប្រមាណដងដែរហើយធ្វើនៅទីកន្លែងណាខ្ញុំបានធ្វើតែម្ដងគាត់នោមផ្ទះនឹងក្រុមការងារគេទៅចុះទៅគឺសភាខ្ញុំយើងក៏មាននឹងភូមិខ្ញុំទើលមក បាទអរគុណហើយតាមសមត្ថភាពដែលលោកអាចដឹងនិងលោកចងចាំថាតើលោកអាចបញ្ជាក់បានដែរទេថាមុនពេលនេះតើលោកបានពិនិត្យមើលឬអាននៅកំណត់ហេតុដែលលោកបានផ្ដល់សក្តិកម្មកាលពីពេលមុនជាមួយនឹងអ្នកស៊ើបអង្កេតនៅនឹងផ្ទះរបស់លោកនោះដែរឬទេ ខ្ញុំចាំខ្លះអត់ខ្លះព្រោះវាយូរដែរបងមិនខែពីខែណាបងជាបានពីឆ្នាំជាងហើយចាំម៉ូតូខ្ញុំម៉ូតូចាំច្បាស់លាស់ហ្នឹងបាទគាត់ទៅទៅទៀតទៅមែនគាត់ឃើញគាត់ទៅដល់ហ្នឹងតាមសមត្ថភាពដែលលោកអាចដឹងនឹងចងចាំថាតើលោកអាចបញ្ជាក់បានដែរទេកំណត់ហេតុដែលស្ដាប់ដល់ខីកម្មរបស់លោក ដែលលោកបានអាននៅមេមលឹកការចងចាំនឹងគឺពិតជាត្រឹមត្រូវវាសមស្របឬក៏ស៊ីសង្វាក់គ្នាទៅនឹងចម្លើយដែលលោកបានធ្វើសម្ភារជាមួយនឹងអ្នកស៊ើបអង្កេតនៅនឹងផ្ទះរបស់លោកកាលពីឆ្នាំមុននោះដែរឬទេពី3ឆ្នាំមុននោះដែរឬទេបាទតាមសម្រាប់ខ្ញុំបានវាដូចតែការកំណត់ហេតុនោះដូចគេកាត់ទៅសភាខ្ញុំអញ្ចឹងដែរ អត់មានទាភិយអីទៀតក្រៅពីទាភិយខ្ញុំរឿងការណាត់ដែលដឹងការពិតមិនពិតនិយាយតែការពិតក្នុងការសួរដេញដោលចំពោះសាក់សីរំនេះអនុវត្តតាមបទបញ្ញត្តិនៃវិធានការសិបមួយស្ទួននៃវិធានផ្ទៃក្នុងនៃអបតកអង្គជំរះផ្ដល់វិធានការជូនទៅសហប្រជាជាតិសួរដេញដោលសាក់សីរូបនេះមុនភាគីដទៃទៀតនៅរឿងក្តី Merci, Monsieur le Président, et bon après-midi, ainsi qu'à Madame et Messieurs les juges. Bonjour à toutes les parties. Monsieur Keo Kin, nous aurons de ce côté-ci de la barre pas mal de questions à vous poser, et nous avons un temps limité. Alors, ce que je propose de faire assez souvent, c'est de lire un extrait de votre procès-verbal d'audition et de vous poser des questions supplémentaires sur ce que vous avez déjà déclaré. Monsieur le Président, est-ce que j'ai l'autorisation de faire remettre le procès-verbal d'audition en Khmer à Monsieur le témoin? បាទអរគុណអនុញ្ញាត
Monsieur le témoin, est-ce que vous, à l'heure actuelle, est-ce que vous savez lire, est-ce que vous avez de bons yeux pour lire ou ce n'est pas possible? Très bien, ce n'est pas grave, je vais commencer par quelques questions sur votre passé avant avril 77 et je vais vous dire ce que vous avez dit à la toute première réponse de votre procès verbal d'audition E3-52-73. On vous pose la question. Avant le 17 avril 1975, que faisiez-vous et où viviez-vous? Et vous avez répondu, j'étais un soldat Khmer Rouge rattaché au régiment 502 de la division numéro 1, dont Ta Seung était commandant. Le commandant du régiment 502 s'appelait Veil. Le régiment 502 était basé dans la forêt de Prey Mik, district de Pong, province de Kampong Speu. Je vais m'arrêter là. Donc pendant combien de temps est-ce que vous avez été rattaché au régiment 502 de la division 1 à Kampong Speu sous la direction de Ta Lvey? Est-ce que vous avez été également le messager de Ta Lvey entre 1974 et 1975? Et en tant que messager, que deviez-vous faire pour lui à l'époque? Où deviez-vous apporter des messages? Et quand vous ne portiez pas de message, est-ce que vous étiez comme un garde du corps pour Ta Lvey? Est-ce qu'à l'époque votre relation avec Ta Lvey faisait que il avait confiance en vous?
Et pouvez-vous nous dire à partir de quand Talvey a-t-il appris que votre père était chef adjoint du village? Est-ce que vous vous souvenez si c'était avant la prise de Phnom Penh ou après? Est-ce que vous avez été rétrogradé ou est-ce que vous avez été puni d'une certaine façon à ce moment-là? Ok, est-ce que dans un premier temps, vous avez d'abord travaillé autour de l'aéroport de Pochentong? Et si oui, à quelle fonction travaillez-vous? Pardon, je parle de la période juste après la libération ou plutôt la prise de Phnom Penh. Est-ce que vous pourriez nous préciser, parce que tout à l'heure j'ai lu un extrait de votre procès verbal d'audition, vous parlez d'un régiment 502. Est-ce que ce régiment 502 est devenu une division 502 par la suite? Et est-ce que vous vous souvenez si c'était devenu une division du centre? Très bien. Donc parlons maintenant de la période où vous êtes envoyé à Kampong Chhnang. Je vais vous citer ce que vous avez dit à ce propos. Alors, c'est le procès verbal d'audition E3-52-73 à la page en Khmer 00-28-29-41 en français 00-35-58-56 et en anglais 00-29-05-00. Alors, la question qui vous est posée est de savoir, une fois arrivé à Phnom Penh, le 17 avril 1975, qu'est-ce qu'on vous a ordonné de faire? Et vous avez répondu, on m'a ordonné de sarcler l'herbe, de garder des entrepôts situés à l'est de l'aéroport de Pochentong avec le nommé Meng. Meng et moi, nous étions accusés d'avoir une tendance parce que mon père était chef adjoint de commune de la période de Lon Nol.
Ensuite, en février 1976, Talvey m'a saqué et m'a envoyé à l'aéroport de Krang Liu dans la province de Kampong Chhnang, où j'étais en charge du garage, des camions, des tracteurs, des rouleaux compresseurs, etc. Et cela était la conséquence de l'accusation d'avoir une tendance. Fin de citation. Est-ce que vous pourriez nous dire si en février 1976, il y avait déjà des dirigeants de la division 502 qui se trouvaient à l'aéroport de Kampong Chhnang quand vous êtes arrivé sur place? Qui dirigeait le chantier au départ? Donc vous dites que Talvey était arrivé en même temps que vous. C'est bien ça que j'ai compris. D'accord, et parmi les 10, qui était le chef qui donnait des instructions aux autres? Est-ce que vous pourriez nous donner son nom? Est-ce que Song vous a dit quelle était votre mission en arrivant sur place, en étant les premiers à arriver sur place? Quel était le but de vous faire travailler sur place? Et pendant combien de temps votre groupe de 10 a travaillé sur place avant qu'il y ait des renforts qui soient amenés sur le site du chantier? Mình được chọn một bút bìa.
Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous n'avons pas eu de traduction en français de la dernière réponse de Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Président. Ma dernière question était de savoir pendant combien de temps vous aviez travaillé sur place avec cette équipe de 10 avant qu'il y ait la masse de travailleurs qui viennent, ou de soldats qui viennent vous aider sur place. Và trong sự tạm chỉ chất tâm tổ chất bảo môi bạn khơi chúng nuôi một chuối phơ hay chưa mà phòn nã đấy một tàu một năm bát bàn rọ bát bàn đăng để rồi khơi một đứa thư được phần đăng thư từ tổ thư lọ bút tổ năm chất thấp một phần tổ chất thấp một buôn bàn rọt bàn Việt Nam châu đó. Ai có rất bệnh như vậy nên ở tôi đừng kêu tôi khang na khang đấy. D'accord, j'ai bien compris. Vous êtes resté jusqu'en 1979. Par contre, dans l'extrait que j'avais lu, vous avez dit être arrivé là-bas en février 76. Est-ce que vous confirmez cette date ou bien est-ce que c'est approximatif? Bien, vous avez mentionné dans l'extrait que j'ai lu avoir travaillé au garage où il y avait des camions, des tracteurs et des rouleaux compresseurs. Donc, vous nous avez dit que vous avez d'abord travaillé à arracher des arbres, déraciner des arbres. À partir de quel moment, combien de semaines ou combien de mois après, vous avez pu commencer à travailler au garage? Ấy từ trong việc phải tấu khay và phải chỉ khay pi đó ngay một tấu trong việc bán trăm bản loạt để tấu tấu đầm khay thứ về liên môn kỳ tôi chập đầm cọ đây cọ ấy nè. Bien, ce n'est pas très clair pour moi. Donc ce garage était bien situé sur le site du chantier de construction de l'aéroport de Kampong Chnan ou bien je me trompe? Bien, et
Est-ce que c'était vous qui étiez le responsable de ce garage? Et à qui la direction du garage devait faire rapport? Est-ce que c'était à Talvey ou à quelqu'un d'autre? ខ្ញុំអត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងធ្វើទេព្រោះខ្ញុំទៅជួយជនគេដូចឈ្មោះសុំតែនឹងដោយណាទុំមានអ្នកធ្វើវិធានគ្រប់គ្រងធ្វើឡាធ្វើរោងដាក់ឡានហ្នឹងខ្ញុំស្គាល់ឈ្មោះសុំហ្នឹងណាតែគាត់ធ្វើវិធានតែបច្ចុប្បន្នក៏នៅណាអត់ដឹងព្រោះខ្ញុំដាក់តែធ្វើព្រោះខ្ញុំជាប់ពាក់ព័ន្ធអញ្ចឹងគឺមិនអោយធ្វើឯទៀតក្រៅពីយុទ្ធជន Bon, vous avez également dit, je vais citer un autre passage de votre procès-verbal d'audition E3/5273 à la page en Khmer 00282941, en français 00355856 et en anglais 00290500. Alors, vous avez dit, au début de la construction de l'aéroport, il n'y avait que 10 personnes seulement, avec le nommé Song comme chef de groupe, et 10 Chinois de Pékin, qui étaient des experts en analyse du sol et en topométrie. Tous les jours, mon groupe et ces Chinois, nous devions prendre le bus de la ville de Kampong Chnang le matin à 7h. Pour nous rendre au chantier à Krenlir et revenir, revenions à 11h pour le déjeuner. Puis à 2h de l'après-midi, nous retournions au travail qui se terminait à 5h de l'après-midi tous les jours. Et ensuite, vous avez ajouté, le chantier de l'aéroport de Kampong Chnang commençait en mars 1976. À part le dénommé Song, parmi les 10 personnes qui ont commencé à travailler avec vous, est-ce que vous vous souvenez de certains noms de ces personnes? D'accord. ក្លាប់បាត់ហើយអត់មានស្គាល់វាណាវិន័យទៀតពូសម័យហ្នឹងធ្វើការជាមួយគ្នាធ្វើអត់មានទៅជែកអូគ្នាអីបានទូទេគាត់ទៅកំធ្វើខ្ញុំចង់តែប៉ុណ្ណឹង Est-ce que vous saviez si ces 10 personnes provenaient de la division 502? Bien, vous avez dit plus tôt que vous aviez été saqué par Talvey. Est-ce que les autres personnes qui étaient là avec vous étaient également des gens qui avaient été saqués? Ou bien au contraire, c'était des gens qui avaient la confiance des supérieurs de la division 502? Vous avez parlé tout à l'heure d'une première vague de 1000
ouvriers qui étaient venus travailler sur le chantier. Est-ce que vous pourriez nous dire d'où venaient ces 1000 ouvriers? Est-ce qu'ils venaient également de la division 502 ou d'une autre division? มาแม่นหมอพี่กองพลปรำรวยปีหรือหมอครบกองพลครบภูมิเพียตามเนี่ยใดตามวิบุพเพียตามวิประจำบุกที่เธอการเรียงเรียงทุกลวนทุกข้างข้างคือการอัตตะการล่าเนี่ยเท่าน้องไอ้ฟื้นตะรุงล่าเนี่ยเท่าแต่ดังหมอไอ้หมอไอ้ยำอัดกอลบ่ที่เธอการเบิกเนี่ย Est-ce que vous savez combien de militaires de la division 502 ont été envoyés sur le site du chantier et quel type de fonction ils remplissaient sur place? ยมอดดังจะบ้าดังอะประมาณเนี่ยประมาณเนี่ยยมอดดังดังคือมุกเงียข้างไอ้ข้างไอ้ยมมันเศร้าดังเลยอ่ะอดเดียรวมก็อดอดบานดังเชียบอดบานสู้คือพร้อมโอ้ถือการเงียให้เงียแล้วดังเลี้ยงได้เลี้ยงถึงหกใบบานเดอร์สู้คือสู้ไอ้ยังพร้อมคลายอย่างนั้น Lorsque les soldats de ces différentes zones et divisions arrivaient sur place, est-ce qu'on les enregistrait? Est-ce qu'on constituait des listes de toutes ces personnes? Avez-vous pu apprendre si d'autres, après ces premiers 1000 travailleurs, est-ce qu'il y a eu d'autres vagues de soldats qui sont arrivés sur place? Et si oui, peut-être en 77, 78? Et si oui, à partir de... Enfin, d'où venait-il? De quelle division venait-il? คือนั้นโน้ตปืนนั้นบ่หมู่ประมาณเตียบ่ไกลไกลไกลគ្នាគេមកនៅកើតអង្ដឹងនៅលេចអង្ដឹងបើខ្ញុំអត់ដឹងបើកន្លែងលៀននោះធំដែរមិនមែនតូចណាគឺនៅខាងកើតអង្ដឹងវាលេចអង្ដឹងខ្ញុំបើខាងលេចខ្ញុំឃើញបើខ្ញុំអត់ឃើញខ្ញុំថាអត់ដឹង Bon, je vais revenir sur cette question un peu plus tard. Est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes qui ont pu travailler sur ce site? Au départ, vous avez donné un chiffre de 10, puis vous avez parlé de 1000 personnes. Lorsque le maximum de travailleurs d'ouvriers est arrivé sur place, y avait-il plusieurs milliers ou plusieurs dizaines de milliers de personnes? มาខ្ញុំមើលឃើញហើយយើងប្រព័ន្ធអ្នកនឹងហើយយ៉ាងមកទៅឲ្យអត់មានដល់មើលនេះបើវាបាក់ដែរកន្លែងនឹងវាធំរួចហើយឡើងបើកឡានបាត់បាត់អត់នឹងចេញតែតាមណាតាមណីនឹងដឹងថាដាក់ដឹកថ្មខ្លះដឹកសាច់ចឹងទៅខ្ញុំក៏អត់ខ្ញុំមើលព្រឹកឡើងដឹងធ្វើការអត់មានដើរទៅណាគីទេដឹងថាធ្វើការក្នុងកន្លែងហ្នឹងហ្មងទេតិចតិចទៅរອບអីខ្ញុំអត់ដឹងបើប្រហែលជាប្រព័ន្ធអ្នកហ្នឹង បាទដល់ចេញក្រៅអង្គី
Est-ce qu'à votre connaissance, tous ces travailleurs étaient à l'origine des militaires? Bien, parmi ces travailleurs, est-ce que en arrivant sur le site, ils étaient déjà désarmés? Ou bien y avait-il sur place des gens qui conservaient leurs armes? Pouvez-vous nous dire ce que vous savez à ce propos-là? ອັດຄືອັດຄືກະພືງພ້ອມແຕ່ດັງດອກຕັ້ງວິນາອີ່ບັນໃດພວກຂ້ອຍອັດດັງແຕ່ວ່າໂຕກະດອກຄືຖືປະລຽນມື້ຄືຈະປີຈໍາງາຍອັດມາຕິດຄືວ່າອັດມີກະພືງແຫຼະດອກຕັ້ງທີ່ສະເໝີນາອີ່ສະເໝີນີ້ຂ້ອຍອັດດັງແຫຼະອັດມີຄືກະພືງໂຍໂຈລໂຕແຫຼະມີກະພືງກອງກາພີຄີລົມມອງມີມາຖ້າກອງຕອດຖືປະລຽນໂດຍທີ່ຂ້ອຍມີອີ່ແຫຼະອັດມີ Est-ce que cela veut dire que les soldats qui travaillaient sur le site étaient sous la surveillance de gardes armés pendant qu'ils travaillaient? Et quel était leur rôle? Est-ce qu'ils faisaient des patrouilles? Est-ce qu'ils contrôlaient ce qui se passait sur le chantier? Au départ, vous avez dit que vous logiez à Kampong Chnang avec les Chinois, les techniciens chinois, lorsque vous n'étiez que 10. Est-ce que par la suite vous avez dormi sur le site du chantier? Ou bien vous avez continué à dormir vers Kampong Chnang? Ce dortoir était-il réservé à des gens de la division 502 ou y avait-il d'autres personnes?
À propos de cet aéroport, est-ce que vous savez si cet aéroport en construction était destiné à être un aéroport civil ou un aéroport militaire? Est-ce que des cadres ou lors de réunions ou d'autres occasions vous ont-ils dit si c'était ce qu'on appelait à l'époque un chantier chaud, c'est-à-dire un chantier prioritaire? J'en viens à deux, trois questions de plus sur la composition et le traitement des travailleurs. Et je vais citer ce que vous avez dit dans le procès verbal d'audition E3-52-73. En Khmer, à la référence 00-28-29-41-42. En français 00-35-58-56. Et en anglais 00-29-05-00. On vous a posé la question de savoir si vous pouviez raconter plus en détail les événements de la construction de cet aéroport. Et vous avez notamment répondu, je cite, « Des milliers de personnes y travaillaient. Tous ces gens ont été convoyés des zones ouest, sud-ouest et est. » Mais la majorité était de la zone Est. Et plusieurs d'entre eux ont été exécutés, plus que les autres. Fin de citation. Je vais revenir plus tard sur les disparitions des gens de la zone Est. Est-ce que vous savez s'il y avait également d'anciens soldats de l'ancienne zone Nord, on appelait à partir d'un certain moment la zone centrale, appartenant aux divisions 310 et 450? Est-ce que vous en avez entendu parler? Bien, dans l'extrait que j'ai lu, vous avez parlé des gens envoyés des zones est, de la zone Est. Est-ce que les gens de la zone Est avaient porté des signes distinctifs pour qu'on puisse les reconnaître? Par exemple, des vêtements différents ou un foulard différent? Merci, Monsieur le Président. Simplement pour rappeler, comme je le fais souvent, à ce procureur international précisément, à savoir que s'il peut laisser ces questions vraiment ouvertes. Est-ce qu'ils avaient des signes distinctifs? Point. Et maintenant, le témoin, s'il a des choses à dire sur l'habillement, dira des choses sur l'habillement. Ce ne sont pas des questions à multiples choix. Il faut que ce soit ouvert et que le témoin puisse témoigner lui-même et non pas avec l'aide de Monsieur le procureur. Mr.
Mr. President, I have an additional objection. An objection I made earlier in respect of the previous witness. The prosecutor is continuing to speak about workers, about people, about work site. It, to me, seems to be confusing the matter. We're dealing with soldiers from Division 502, soldiers from other divisions. This was a military site, and at least in the beginning, people were working there. There were military people, there were soldiers. So I think it is to the benefit of ascertaining the truth if we speak about these people there as soldiers, as military, and not as workers or people who were just sent there. It was a highly secretive military site, and I think we should be very careful with the way we use words in respect to these military people. Justement, Monsieur le Président, j'utilise les termes qui ont été utilisés par le témoin dans son procès-verbal d'audition. On vient parler de travailleurs. Je vais reformuler la question. Il a changé de la manière suivante. Est-ce que, Monsieur le témoin, les gens, les travailleurs de la zone Est portaient des vêtements différents de ceux des autres? Và ọt đấy, liệu vẹn của áo khám áo đôi khi nìa. Ọt miền thiện khóc nìa vò. Chuyện để có áo khám áo này. Bộ cất tập, là tập văn nắng. Vous avez également parlé de réunion. Et je vais citer un autre extrait de votre procès-verbal d'audition à la page en Khmer 00282942. En français 00 35 5857 et en anglais 00 29 05 01. Vous avez dit ce qui suit. Le nommé Levey était le chef responsable du chantier de la construction de l'aéroport tout entier. Je voyais Levey convoquer les gens qui travaillaient au chantier aux réunions plusieurs fois à Tul Ampil, à l'endroit de l'aéroport. Fin de citation. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus et nous dire qui étaient ces gens qui étaient levés convoqués à des réunions? ແລະກະປະຊຸມເລື່ອງອີ່ຂ້ອຍຂ້ອຍເຊົາດັງອັດດັງມາອາທິດຕົງການປະຊຸມມາດອງຕົງການຮຽນການງານອີ່ປະຊຸມອັດດອນມາອາທິດໂຕປະຊຸມເນາະຄືຄືຈະກິໂມປະຊຸມຈັ່ງໂດຍຍົມມືທີ່ປະກາເລຍຍົມບໍ່ຄືຈະຢ່າງຈັ່ງອັດມີຄືຄົບເປັນດຶງປາຄືຈະປະຊຸມຈັ່ງ. Est-ce que c'était uniquement les cadres ou les gens qui supervisaient le site qui étaient conviés à ces réunions d'après vos observations? Ou bien la masse des soldats ou des travailleurs qui étaient sur le chantier était également invité? Tôi tại chỉ ở miền Nam tôi chết bàn này, còn miền kia lại diêm cả về này, thì vẫn ở chỗ đó ở chỗ chết phò, nhưng ở miền kia là cách ấy tàu vó nhưng đâu đấy lên dương này. Vous
Vous-même, monsieur le témoin, je n'ai pas très bien compris. Est-ce que vous étiez responsable de ce garage ou vous étiez seulement un soldat qui travaillait au sein du garage? Est-ce que Song organisait des réunions auxquelles vous deviez assister? Et si oui, quels étaient les sujets qui étaient abordés lors de ces réunions? ពីប្រជុំធំៗនឹងគេអត់ហៅយើងប្រជុំទេប្រជុំតើមានក្រុមអីគាត់ហៅប្រជុំតើមានក្រុមថាមកកូនក្រុមមានដប់ណាស់ហៅគ្នាប្រជុំប៉ាន់ប៉ណ្ណឹងណាប្រជុំប្រាប់ទៅឲ្យធ្វើឡានឲ្យធ្វើសំភារៈរួមដូចអីហ្នឹងឲ្យយើងខំប្រឹងប្រែងធ្វើតែប៉ុណ្ណឹងអត់មានប្រាប់រឿងអីផង បាទអរគុណថាប្រញ្ញារងអន្តរជាតិបាទសកម្មភាពនៅថ្ងៃនេះដល់ពេលឈប់សម្រាកហើយអង្គមានប្រកាសផ្អាកកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពសម្រាប់ថ្ងៃនេះត្រឹមនេះសកម្មភាពលើកទៅបន្តធ្វើនៅថ្ងៃស្អែកហើយប្រហោះទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2015ចាប់ដើមពីម៉ោង9ព្រឹកតើហើយសកម្មភាពនៅថ្ងៃស្អែកនេះអង្គជំរះនឹងធ្វើសកម្មភាពបន្តស្ដាប់ទៅខេកម្មសាក់សីកែវគិននិងផ្ដើមស្ដាប់ទៅខេកម្មសាក់សីដែលមានហៅជំនាញ2TC ដែលមានហៅជំនាញពីTC W9616ភីគីជ្រាបនឹងអញ្ជើញចូលរួមតាមពេលវេលាបានកំណត់នេះអង្គជំរះអរគុណលោកកែវគិនដំណើរការសកម្មភាពស្ដាប់ទៅខេកម្មលោកក្នុងឋានៈជាសាក្សីនៅបន្តចប់នៅឡើយទេអង្គជំរះក៏អញ្ជើញលោកឲ្យមកផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅថ្ងៃស្អែកទៀតដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង9ព្រឹកទៅហើយឥឡូវនេះលោកអាចសម្រាកបានហើយមន្ត្រីរដ្ឋបាលសាលាការនិងរដ្ឋមន្ត្រីជាមួយនឹងបុគ្គលិកនៃអង្គភាពកងពីសាក្សីនិងអ្នកជំ
ហើយប្រកបឲ្យអនុរិយអភិគមខាំងនាំខ្លួនជនចាប់ចោតទាំងពីររូបខៀវសំផនដឹងនួនជាត្រឡប់ទៅកាន់មន្ទីរឃុំខាំងនៃអវតកវិញចុះនៅប្រកបឲ្យនាំខ្លួនគាត់ទាំងពីររូបត្រឡប់មកចូលរួមសកម្មភាពវិញនៅថ្ងៃស្អែកឲ្យបានមុនម៉ោង 9 ព្រឹកសម្រាប់ចុះសូមអញ្ជើញក្រុមជួយ